Voilà, en tout cas, comme le président du Front National, un certain nombre de Français attendent donc ce grand débat de demain soir pour se forger une opinion définitive. Certains politologues pensent que ce duel Jospin-Chirac peut faire basculer 1 à 2% des voix qui pourraient s'avérer décisives. En attendant, on s'affaire pour monter le décor au studio 101, à la maison de la radio, et cela sous le regard attentif des émissaires des deux candidats. Visite en coulisses en compagnie d'un responsable de cette émission avec Daniel Wolfrom et José Bachic. L'invitation vient d'Hervé Bourges, le président du CSA en personne. Alors vous prenez ce que vous voulez. D'accord, vous me suivez. Le voile se lève donc sur le décor du célèbre Studio 101 de la Maison de la Radio et le producteur exécutif du débat est notre guide. Vous avez donc la table pour le débat. Oui. La position des deux candidats et la position des deux journalistes. Dépouillé, comme il s'y est. Et pour mettre en valeur les deux candidats. Alors la table est carrée, ça a été l'objet de tractations. C'est pas carré. Je n'ai pas mesuré, c'est pas carré. C'est rectangulaire. C'était ovale avant. Non, c'était rond. Et pourquoi ils ont choisi comme ça finalement? Le choix. Bien, nous n'en saurons pas plus. Quant à la table refusée par les candidats, elle est-elle remisée dans un coin? Et que pensent maintenant ceux qui seront demain aux manettes, l'opinion de l'un des trois réalisateurs? C'est bien, c'est une table correcte. Je vais vous dire, hein, la table, on la verra, surtout dans les plans d'ensemble, il y en aura assez peu. Ouais. Ce qui est important, c'est les visages bien éclairés par rapport au fond, etc. Donc je trouve la table très correcte maintenant. Ces sièges, par contre, resteront vides. Pour ne pas déstabiliser les deux candidats, les invités seront répartis dans deux studios adjacents, bien séparés du lieu du débat.